moto oyo azali na nzambe. Hein? Parce que n'oublions pas que nzambe oto zoloba, c'est un esprit. Nzambe azali souffle oto zanango. Parce que Job azoloba, en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. C'est-à-dire oyo zanango na katino pema wana. C'est ça Dieu dans l'homme. Sikoyo yangwana omoni za mystère. Mais comment est-ce que nakati ya pema okoko découvrir yo divinité na yo, c'est-à-dire dans ce qui est invisible, comment tu peux le découvrir? Place au mystère ce que les gens ont voir. Donc mutunyo surtout nengo tu ma question moto za na nzambe na kati na ye. Donc ezalo kola na kolo bake, mais comment moto oyo azo pema akufa pa ye? Parce que pema izali za. Donc, on a vu ça, en tout cas, on a vu ça. J'en ai pas peur, ma haut, donc on respire. Vie aux hommes, on a quatre ans, on est à la randame. Voilà. Donc, vraiment, vous savez, on a répondu à la question là, très bien. Donc, tu reconnais. Donc, ils ont abattu l'autre, oh yo, ma question, oh yo, paix et tout n'a pas. Et tout n'a pas paix. Pour la couleur sacrée, moutouignons surtout à Zali Nanzambe, la quatre naïe. Romains chapitre 10, verset 12, Balobi. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Parce que déjà, le juif, selon le monde physique, c'est la discrimination. C'est-à-dire, ceux qui ont été juifs étaient, ils ont été pagans. Donc, ils ont été. Ils ont été. Ils ont été. Ils ont été. Et puis, le grec est paix. Donc, ceux qui ont été grecs étaient. Donc, aux âmes paya, aux âmes de konaïté, aux âmes mona. Mais ils appellent n'engue les lots. D'autant que vous avez un nègre ou bien homme de couleur, vous avez que vous avez parti na bangote, aux âmes de kona bangote. Mais tout ça, c'est de l'ignorance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes tous là, et vous avez tout ya ignorance, c'est-à-dire le monde physique, vous avez utilisé. Alors, si vous avez dit qu'il n'y a aucune différence. En effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Alors, du coup, ils ont tous un même Seigneur. Et l'ingé le baké, ils allaient aux alliés grecs, ils allaient aux alliés juifs, ils allaient aux alliés congolais, ils allaient aux alliés maliens, togolais, ils allaient aux alliés français, allemands. Donc, nous tous, nous avons un seul Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? C'est le propriétaire de la vie que nous avons. Le propriétaire de ce souffle. Ce souffle qui est la présence de Dieu dans un corps. Mais moi, je me pose des questions. C'est-à-dire, yo bengami mwana ya nzambe, o bengami un chrétien, c'est-à-dire comme Christ. Hein? Le ko la Christ. Alors, si vous avez une musique qui a Werason, que vous avez une musique qui a Kofi Olomide, que vous avez une musique qui a Bande Konami, que vous avez une musique qui a Kofi Olomide, que vous avez Alors, va nous aider à rendre gloire dans un bété, à zoé mbela bolingo, à zoé mbela moissinaye, à zoé mbela. Ils ont rendre gloire dans un bété. Yangwana zo monake, batonyon sotouana, et ça la titre au Yazanango. Et c'est l'église où il y a Zanangwazo Kambabato, a Yébi Makambozo le bâtir. Moi je vous dis la vérité. Parce que, et le Kobozo Bosan les amis, on m'a dit, ce qui moto, Azo Yembe la moissi, hein, Azo Koumi sa moissi. Mais il est en train de chanter pour Dieu. Ah oui. Parce que moissi wana, hein, Azali fraction ya manifestation ya Nzambe, oya mona nakate, mais a moni sabi nan zela ya créature wana. C'est ça. Mais ceux qui déjà moto azo yembe la moisi, azo kumi sanzambe. C'est ça. Ceux qui moto azo yembe la mobali moko boye, azo kumi sanzambe. Ceux qui moto azo yembe la nzete, azo kumi sanzambe. Moi je vous dis la vérité. Oui, c'est la création. Exactement, parce que bazo tanga kombo ya Yesu na katite, exactement parce que bazo tanga kombo ya nzambe te. Non. Créature nyon surtout ezali manifestation ya nzambe. En tout cas, vraiment, bande de rebours, on a vu ça, beaucoup bien.
créature nyonso to ezali manifestation ya Nzambe kozala païen ezali po kena na église te kozala païen ezali po sambela raté kozala païen ezali mutu oyo akoti na kati na kati royaume ya Nzambe te ezali mutu oyo ayebi na nature divine te basi koyo question na ngo pona yo mosala Nzambe ezali boye siko importance wana po tem na biso ezali le sort d'un peuple dirigé par des païens. Voilà. C'est important si vous allez diriger par Moutou Azamo Paganoté. Important si vous allez diriger par Moutou Azamo Paganoté. Et si vous allez diriger par Moutou Azamo voilà. Question Mokonzambe Apambola, vraiment la question. C'est-à-dire, Moto Oyo Azali dirigé par Moto Oyo Azu déjà accès à Katia Mokonzambe. C'est-à-dire, peuple, on a besoin de peuple Moko productif. Je vous dis la vérité. On a besoin de peuple Moko productif. Et puis, vous avez un peuple puissant. Vous avez un peuple puissant. Indoctable peuple. Alors, toutes les manifestations sont des fractions de ces mêmes dieux. Discrimination, c'est la réalité. Alors, si vous avez un peuple, vous avez une discrimination. On a pour utiliser le langage païen dans le langage mondial. C'est-à-dire, païen est le bande de la vie. C'est-à-dire, tant que vous êtes un musicien, mokili, païen, c'est-à-dire, vous déclarez que vous êtes un peu de c'est-à-dire, vous créez déjà déséquilibre dans la société. Oui, et ça... déséquilibre, il y a des gens comme ça, peuple faible. Maintenant, tant que vous allez dans Mokambi, oyo, déjà à côté de la vie royaume. Azo comprendre makambo ya Nzambe ndenge yango e fonctionnaka ako contaminer yango na kati ya peuple et le peuple sera soudé. Importance nde yango wana si. Et puis et loko on a ko souligner awa ezali boye ce n'est pas parce que babengie nanité c'est pas parce que babengie chrétien té non un musicien ndenge mona ba musicien hein musicien na biso nyoso tu a Congo. Il n'y a pas de Dieu. Alors, on a expliqué moi en place. C'est-à-dire qu'il faut que nous comprenions que au moins une vie autour de nous, nous surtout vivons dans la carte de la vie. Nous avons dit que 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 nous parce que bayaka église na yote parce que ba priaka Jésus le kola yote yo bengi païen c'est-à-dire même souffle oh yaza nango c'est le même souffle que toi tu as et ce souffle là c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu dans le corps c'est à cause de ce souffle là que toi tu as la vie alors maintenant tant que zota la nyoso il n'y a pas deux souffles zaka moko alors c'est quoi le problème véritable problème c'est quoi les zalaka wapi. Véritable problème, c'est ça, Chikoyo, il y a qu'on canalise cette présence, cette force, le souffle. On est pema au Yozanango. Chikoyo, yo osana pema wana. On a été sur une akende côté mosusu oyo zoye langai na meka ko connecter yango hein on na bible bazo pesa exemple un enfant prodige oui hein enfant prodige ba lobi ke asenga ki richesse na ye abi pesa ngai na kenanga pesa ngai na kende na ngai mais siko na mokilio ndenge tozali ezana richesse moko lokola souffle. Donc richesse ya liboso ezalaka souffle oyo ezana mosusu ki ezana souffle te. Richesse, oyo nzambe a pesa moto nyoso eza souffle oyo azana. Parce que na kati ya souffle nde intelligence a moto azana. Na kati ya souffle nde soko comprendre nde okoba na kozwa ba solution na yo. Mais ko allez-y comprendre comment est-ce que okoko zwa ba solution na kati ya souffle oyo zo mona ngote. C'est là où il y a le mystère.